Et bonjour à tous, nous voilà de retour sur le secret des grands sur Forza Horizon. Je pense que c'est la dernière vidéo, c'est parce qu'on a fait les 9. Donc là, nous allons nous rendre à Redfoot pour trouver cette grange. Donc, je mets mon GPS. Donc, nous partons directement du festival. En espérant que ces vidéos vous auront bien aidé pour trouver vos voitures cachées. Si je me dépêche un peu parce que cette vidéo risque d'être un peu longue parce que le trajet pour la dernière grange qu'on va aller chercher va être assez long. Elle ne passe pas souvent en route. Pour le moment, depuis le festival, on n'a pas changé de route. Que j'ai un ami sur cette grande là, il a bien galéré pour trouver l'emplacement de la grange. Donc je pense que ça va peut-être nous aider un petit peu aussi. Donc voilà notre fameuse grange. Et je vous disais, c'est celle-là. Donc bien sûr, moi la voiture n'est plus dedans parce que vu que je l'ai déjà attrapé. Donc ça se trouve exactement là où j'ai la flèche. Le buzz n'est plus, excusez-moi. Donc de là, on va repartir au festival. Festival est mort. Voilà. Tant que je vais être ici, je vous montrerai les voitures qu'on débloque dans les granges. Donc là, si j'appuie sur X, je fais 13 heures de grange. Donc vous voyez, il y a une Bugatti EB 110, il y a la BM1 M1, il y a la Curoda de Plymouth. Vous avez une DB5, vous avez une DBR1, excusez-moi, la Testarossa 250,
Vous avez la type 2 de chez Jaguar. Vous avez une 350, 300 SL de chez Mercedes. Et la Cobra Daytona, coupée. Donc nous allons aller sur la carte pour aller chercher. Mais attendez, je vais peut-être changer de voiture, prendre une voiture légèrement plus nerveuse, plus rapide du moins. Je vais prendre une voiture plus rapide. Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture qui tient la route, qui est plus rapide. Vitesse, ouais, c'est pas trop mal. Accélération, ouais. Je vais vraiment prendre celle-là. Quoique, j'aurais pu faire autrement. Tant pis, c'est pas grave. Amélioration de l'auto. Donc, on va voir si je peux l'améliorer pour gagner un peu de vitesse sur cette voiture. Ouais, on va laisser tomber. On va aller directement à la vidéo. Oh. Allez. Je vais vous montrer où est cette grange. Donc cette fameuse grange, elle est assez loin. Il y a quand même une distance à parcourir. Là, nous nous dirigeons vers l'observatoire. Quand je gagne du temps que ça va me vautrer. Donc nous allons monter tout à fait en haut. Découvrir cette fameuse grange.
Oui, il ferait une nuit. Dans l'autre sens, et l'autre qui me rentre dedans. Aucune clé une route, c'est pas. Il y a des touristes partout. Donc notre fameuse grange, c'est celle-là. Voilà. Donc là, vous découvrez aussi nos voitures. Donc je vous montre sur la carte pour que vous le voyez un peu mieux. Donc on est situé là, exactement. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront bien aidé pour trouver vos granges exactement où elles sont placées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.